vous ai mis les cachets dans la boîte. Tout est là. Donc ce matin, c'est la case bleue. Oui. Ne vous trompez pas, hein. Non. Donc la bleue, c'est là, je la remontre, vous avez que ça à prendre. Ok? Ok. Tu penseras à dire à ta maman que c'est pas la peine qu'elle se déplace. Mon fils va venir me rendre visite demain. Votre fils? Car de vœux, ce serait déjà un exploit. Je vous mets votre jeu, Irène? Ah oui, mon jeu, oui. Merci, Nejma, t'es bien mignonne. Bon, ben, j'y vais, moi. Donc, c'est maman qui passe demain. Ok? Ok. Pas de bêtises, Irène, hein? Si, mais j'ai besoin d'un petit dépannage. Tu peux me lâcher genre 150? Ah, c'est chaud, t'as... J'ai plus grand-chose, là. Vas-y, je vais Putain, c'est du caviar ou quoi? T'es marrant, toi. C'est raide aussi, en ce moment, tu crois quoi? Y a pénurie, c'est tout. Alors voilà, tu m'as demandé de t'en trouver vite, moi je peux pas faire, moi. Décide-toi, Jean. La tête, tu pisses le son. Avant qu'une silhouette ne disparaisse sur le béton. S'agit-il d'un meurtre? Comment le sait-on? Chacune de mes rimes déserte les lieux du crime. Trouve-moi une raison, une seule entre deux parloirs. D'écrire sans ma gueule des plus mauvais soirs. Cherche ailleurs et tu trouveras d'autres exemples pour la jeunesse. De bien meilleures adresses. Le verbe trop près des promesses. D'une trajectoire sans lendemain. Toujours dehors à traîner, le moral qui frôle les merdes de chiens. Je vous dois tellement rien, vous êtes fixés. Plutôt du genre à m'éclipser, raser les murs de mon bloc. Si j'ai poussé comme une cloque sur le dos des allocs. Pour ne briller qu'avec du toc, à deux pas de la goutte d'or. Pourtant, chez moi le soleil se couche quand je baisse les stores. Et se lève quand je fous le camp. Bref, tout le temps en stress, quel est le secret de ma jeunesse? Un vieux pochon de weed, de l'encre sur un carnet vide. Et un cœur qui bat, page après page, outrage après outrage. Sur le trajet de mes 25 ans d'âge, j'écris à balles réelles. J'écris à balles réelles. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il pèle, qu'il grêle. Aïe.
T'as vu, si tu veux faire du bif, charbonner un peu, t'es. Alors mon vieux, faut y aller, faut investir là, t'as vu. C'est la famille, c'est un bête de prod, mon gars. Je te fais un bon tarot, vas-y, t'inquiète pas. Tu lâches un petit billet de 10 euros et c'est bon, c'est pas cher, t'as vu. Bien vu, mon vieux. Wesh, mon gars, alors. Non. Un petit CD, un petit DVD. Tiens. Tu le fais à 10 balles le CD. Oui, je sais, monsieur, c'est moi qui me suis mis dans cette situation toute seule. Il n'y a pas une autre solution? Je sais pas, sous 8 jours, comment voulez-vous que je trouve l'argent sous 8 jours? Vous pouvez pas m'établir un échéancier sur plusieurs mois? Vous savez bien, je vais rembourser, évidemment, je vais rembourser. C'est pas vous qui décidez, papa, c'est moi quelqu'un qui décide, alors. Comment il a raccroché? Donc? Je te parle. Non, mais réponds-moi au moins. Écoute, c'est mes affaires, c'est mon problème, ça m'a dérangé ça. Non, c'est juste que j'habite ici, moi. Hein. Donc, s'il y a un truc que je peux faire pour qu'on dorme pas dans la rue le mois prochain, ben, si tu veux, on en cause. C'est pas drôle, tu sais. Je suis plus en deux, là, peut-être. De toute façon, ils peuvent pas nous virer pendant l'hiver. Je vais me débrouiller, je trouverai une solution. Super, je me sens beaucoup mieux. Est-ce combien sinon? Putain, il est même pas sec le tag. Hein? Derby là. Là. Je pensais qu'il était en Espagne, mais en 95, il a pris 6 mois pour une rame de métro. Quoi, 6 mois pour ça? C'est abusé. C'est juste de l'encre. Non, bah lui, c'est un cassos, tu le connais pas, Derby. En plus, il avait des putains d'antécédents. Il avait fait un Concorde, un Mirage 2000 dans une base militaire. Je te dis, un ouf. Même le cul du pape en tournée, il l'aurait tagué. Bon, il fait quoi, là? Il nous a oublié ou quoi? Attends, tu m'étonnes comment j'avais croc. Hé, hey, chef! Ça arrive, ça. Non, chef, amène-moi un cafetas, s'il te plaît. C'est deux super chic. Et pas trop de maillot. Eh, petit frère, vas-y, tu peux patienter un peu. Il y a la demoiselle devant toi. Vas-y, tranquille. Je suis garé en double fil, mon pote. Non, mais, tranquille, oh, tranquille. Prends le temps d'aller te garer, tu reviens, tu viens acheter ton sandwich. Fais deux spi, chef. Reste calme, pas de spi, je suis pas pompier, mon frère. Je suis pressé, oui. Ouais, t'es pressé, Eh, respecte un petit peu les gens. Il y a la demoiselle avant toi, t'attends ton tour, d'accord? Ça y est. Pourquoi tu montes en l'air, mon pote, comme ça? Je monte pas en l'air. Tranquille. Montez nulle part. Oh, vous montez nulle part. On monte nulle part. Écoute-moi, si je montais en l'air, je t'aurais déjà mis une fessée déculottée. Tu serais au milieu des boissons fraîches, là, d'accord? Oh, je parle mal, pourquoi tu parles? Je parle pas mal. Tu veux que je m'énerve? Oh, bah, t'énerve pas. Oh, vous êtes où, là? Oh, c'est parce que t'es avec ta meuf, c'est ça? Oh, vous croyez que c'est ta grosse femme, là? Vas-y, fais-moi. Viens, fais-moi, restez calme ou je fais rien du tout. Vas-y, laisse tomber le sandwich. Arrête, t'es énervé pour rien, mon pote, là. Je m'énerve pas, je te... Ouais, c'est maintenant que t'es calme. Va te garer, reviens chercher ton sandwich. Là, tu fais le beau gosse, elle t'emmène ta meuf au grec. Allez, où? Arrête de parler, tu vas mal finir, toi. Hey, il emmène sa meuf où il veut, qu'est-ce que t'as contre les grecs, là? Parle sérieux, les gens. Pouya, tu viens toutes les semaines, tu me fais la misère comme ça. Je te fais pas la misère, regarde les petits, ils respectent plus rien maintenant. Ouais, je sais bien, mon frère, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, toi aussi, tu la sers d'abord, tu lui dis de patienter aussi. Mon frère, tu me connais, j'allais la servir avant. Laisse-le parler. Parle sérieux. Merci. Les gens. Ah, merci. Bon, et puis quand je suis ta meuf? C'est pas ça, tu vois, mais... Je sais pas où il s'est cru, lui. Ouais, sinon... tu crois que tu peux me lâcher une avance sur le disque, là? C'est chaud. Je crois pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, mademoiselle. Ce serait vraiment un titre exceptionnel. Écoutez, mademoiselle, le virement de votre bourse d'études sera effectué comme prévu en fin de mois, c'est-à-dire dans 3 semaines, et pas avant. Ben alors peut-être juste une avance, ou une sorte d'avaloir, c'est possible ça? Écoutez, mademoiselle, les œuvres universitaires ne sont ni votre employeur, ni un service de prêt sur gage. Frappez à la mauvaise porte, je regrette. Bonne journée, mademoiselle.
Prends tes sous et arrête, car le temps se gâte. J'entends déjà le bruit des verrous sauter. À 7 du mat, des gosses qui braillent sur le palier d'en face, entre deux sommations, sur le paillasson. La BRI sur les reins, de toi à moi tu te couches, tu fermes ta bouche. L'automatique pointée sur ta mignonne qui dégueule de cartouche. Un quart de seconde plus tard, fout tout le monde au rencard. Comme la plupart des gus qui ont palpé et vécu. Marbella, Miami, Phuket, pour tomber les plus beaux culs, sont bien vite redescendus. 72 heures dans 3 mètres sur 4, devant le détail de tes coups de fil. Tu nies, ton mégalo de baveux charge ses honoraires. Et si tu parles, te promets du sursis. En jugé par les faits, t'es déjà mal barré au départ. Encore un qu'on n'est pas prêt de revoir. Va savoir si en garde à vue, si tes ex-associés se sont mal tenus. Si la réalité manquait de t'achever d'un dernier coup de crosse. En apprenant qu'un indique teste sa virilité sur la future mère de tes gosses. Rentrer au dépôt un soir d'été sans un euro de côté, ça fait cogiter. Prends tes sous et arrête, car le temps se gâte. Car un jour tu grattes, un jour tu te rates. Un jour tu grattes, un jour tu te rates. Un jour tu grattes, un jour tu te rates. Allô? Ouais, ouais. Non, 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 non. Ben ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Ben, j'en parle avec mon ami, puis je vous rappelle. Au numéro qui vient de s'afficher, ouais, d'accord. Ok, ouais, très bien. Ben, merci. C'était qui? Un mec derrière d'une maison de disques qui veut nous voir. Qui ça? Patrick... Non, mais la boîte, je veux dire, c'est qui? Remake. Remake. C'est un label de pop rock, ça, je vois pas le rapport. Le rapport? C'est une maison de disques. Label rap ou pas rap, on s'en tape. Vas-y, t'es dépressif ou quoi? Ça, c'est bien discuter avec ce genre de mec, même s'il y a rien au bout, hein. Tu connais quoi, toi? T'as un embrouilleur qui t'appelle, là? T'as même pas fait un rendez-vous, t'es déjà en l'air? Tu crois que je les connais pas, ces gars-là, moi? Je les ai pratiqués de fond en comble. Une période où tu savais même pas ce que ça voulait dire d'avoir un micro dans tes petites mains. Sortie de l'underground, la terre entière est ton ennemi. Mais non, mais c'est pas ça, Nijmeh, franchement. C'est bon, on n'a pas besoin de pour exister, tu vois. C'est une vraie? Ça coûte un œil, ce genre de truc. Ça coûte ce que ça coûte. Bon, je lui dis quoi au type? Bah, dis-lui d'aller se faire enculer. Et mets-y les mots. Fais-ce qu'il y a, elle est là. Allez, suivez-nous. Descends. On vérifie tout ça. C'est bon, j'ai pas tiqué, c'est tout, là. Oh. Arrête de tirer. Et concrètement, on ferait comment? Bah, il y a un contrat. Une rémunération, ouais. C'est 2000 euros par texte et t'en as 10 à faire. C'est tout? Quoi, c'est pas assez? Bah, mes droits d'auteur, t'en fais quoi? Non, mais là, Nijmeh, on se comprend mal. En fait, c'est du ghostwriting qui me cède tes droits et c'est compris dans les 2000. Ben, je veux 3000 alors. Attends, déjà être nègre ou ghostwriter, ça me branche moyen. En plus, je m'assois sur mes droits pour Diomède. Diomède, avec un D. Ouais. Parce que Diomède, c'est bien pourri, son truc. À la base, je pensais qu'on allait parler de mon disque. Mais je t'ai dit, il est bien, ton disque. On peut en faire quelque chose, mais moi, d'abord, j'ai une urgence. Diomède, c'est vrai, c'est du slam. OK, c'est grand public. Mais tu vois, pour son deuxième album, on veut casser cette image disque, là. Donc il y a du boulot, il me faut quelqu'un maintenant. Bah écoute, tu me files 3000 par texte, puis on clôt le débat. Et je lui écris ce que tu veux à tout cela, moi.
Écoute, j'en parle au boss et je t'appelle très vite, d'accord? Mmh. Ah, très bien. J'attends ton feu vert. Ok. Bon, allez, j'y vais. Putain, je suis vénère là, je viens de me manger 50 euros dans la gueule par des spécimens de Condé. Jamais vu ça. Ah, tu m'écoutes là? Tu viens louper le gars de chéri, mec là. Il se barre. C'est lui? Il ressemble à rien, lui. T'as dit quoi? Bah, rien. Il voulait juste nous rencontrer. Savoir si on avait des concerts prochainement. Nouveau titre. C'est tout? Ouais. Je t'avais dit. Bah, vas-y. Tu veux un café? Hé, hey, chef! Bon, il faut arrêter de l'inviter, ce copain, si j'étais joué par la fenêtre. Ouais, bah oui, bah tu fais attention aussi, hein, mon grand, hein. C'est des jouets, merde. Je sais pas, tu dis stop. Comment ça, il te fait des clés de bras, hein? Bah, appelle maman dans ces cas-là, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Bah, tu l'appelles. Voilà, et puis, bah. Et t'es, bah oui, t'es pas un faillou, mais t'es pas non plus une poupée qu'on peut tordre dans tous les sens non plus. Voilà. Oui, bah, je te ramène un autre, là, quand on se voit le week-end d'après. Ouais, et puis, je vais t'inscrire au karaté aussi. Oh, ouais, ouais. Allez, ciao. À plus tard. Alors, vas-y, fais vite, je t'écoute. Thierry. Bon, j'ai trouvé la personne qu'il fallait pour Jamel. Uh-huh. Super bundana, super plume, travailleuse, discrète, quoi. Franchement, le top. Elle est OK pour se mettre au boulot tout de suite, mais c'est juste qu'elle avait un peu plus que prévu. Elle a combien? 3000 euros par texte, signer son contrat sous 48 heures et toucher la moitié de la signature, au lieu du tiers. Manque singulièrement d'humilité, la gamine. Avec l'effondrement du disque et un marché à moins 40 par an, mais tu rigoles ou quoi? Tu restes à 2000, ça bouge pas. Écoute, où est-ce qu'on va sinon? Et pour le reste, tu vas avec le service du personnel si t'es sûr de ton coup. Allez, va. D'accord. Autant que ça, la musique. Bah ouais. Tu fais que chanter? Je chante pas, j'écris. T'as rien à faire d'autre? Non, c'est bon. C'est pas un boulot d'hôtesse si c'est ça qui te chiffonne. Je te crois. C'est quoi, des chansons pour Florent Pagny, pour payer autant? Ouais, presque. Trois fenêtres à ma chambre. La première, une plongée sur ma rue en décembre. Sa marmaille, son pavé décharné, ses rares fleurs. Ses putes frigorifiées dans l'écume des jours moqueurs. Fille aînée d'un crève-cœur, c'est la rue de mes guêtres, l'encrier de mes rêves. C'est mon enfance brève, la tige d'ortie dont je bois la sève. Urticaire à mes lèvres comme cette nostalgie pour le temps on était trois, bain d'amour trop court, que rien ne rattrapera. J'ai dû rester cette môme, suspendue à l'hypothétique retour d'un fantôme. À 14 barreaux, l'œil gros collé au carreau, et dehors des bruits de pas.
Une ombre passe, disparaît au bout là-bas. La rue est vide, muette comme ces pierres derrière la persienne que je rabats. Comme hier, mon père ne rentre pas. Numéro d'écrou 63201, Elsania Areski, sortie. Vous signez ici, faites le tour, vous récupérez vos affaires là-bas. Ta fille après. T'inquiète, j'ai un estomac de chameau. Oh, c'est divin. Il y a le basilic là qui revient au palais. Juste derrière le citron. Quand le champignon il craque sous la dent là, avec la viande, il y a tout qui se libère en même temps. C'est... Ça, c'est le cognac que j'ai mis dans la marinade. Et j'ai remplacé les champignons de Paris par des morilles. Morilles, basilic, cognac. Je sais même plus où ça va être. Je vais vous préparer quelque chose, moi aussi, demain soir. Quoi? On fait un sourire, on est content. On est façon blédard, tu vois. À l'Algérien, t'as ça, hein. Alhamdoulilah. Quoi, alhamdoulilah? Finis ton assiette, ma fille. Ah non, j'en peux plus, là. Ah, t'es grosse comme un slougui, mange un peu. C'est quoi une bête algérienne, un slougui? Le slougui, tu sais pas ce que c'est? Non. C'est un chien du désert. Eh ben voilà, c'est une bête du bled. Ben oui. Et pourquoi tu crois que je suis doux, moi? T'es un fils de slougui. Les champignons, t'es sûr? C'est les champignons de Paris, tes champignons. Je sais pas d'où ils viennent. Ils viennent du bled aussi. Bien sûr, c'est des champignons slougis. Tiens, je les aime. Merci. Bon, t'as trouvé ça où? Dans ma mémoire. Comme le jour où t'es arrivé sur le parking du Pacifique, avec ce morceau à fond dans ta simple ensemble. T'étais irrésistible. Comme un petit veau, avec le poil tout doux. Ouais, sauf que c'était pas ou pas, chérie. C'était dans le kiss. Bah ouais. T'étais venue seule, là. T'avais oublié tes deux poneys frustrés. Et là, quand je t'ai vue seule à l'entrée, ça fait ni une ni deux dans ma tête. Je me suis dit, la petite, là. Allez, Awam. J'étais devant le kiss. Avec l'enseigne qui clignote et le cas qui était éteint. Tu te souviens? Non. Bon, bah alors attends, tu vas voir si la guinave ou si la guinave pas. Sept.
10, qui font 20 000. Alors mon gros, qu'est-ce qui se passe Roméo? Ça va la famille? Tranquille? Ben voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Bah tiens, je t'en ai rajouté 25 là. Ah ouais, mais non mon vieux, t'as, c'est un bon départ, mais là t'as, j'en prends du stock gros. Non mais c'est bon, moi tu les vends pas, je te les reprends, y'a pas de problème. Non, moi je fonctionne à flux tendu, t'as vu? Excuse-moi mon vieux. Vas-y, la prochaine fois hein. Vas-y, je dois y aller, bah. Vas-y, pas de soucis. Wesh Renaud, sors des mains de tes poches là. Travaille un peu mon gars, je sais pas moi. Fais un peu de mise en place, vas-y, bouge un peu. Putain. Tu vois, ce que je voulais t'expliquer, c'est juste qu'on a un cœur de cible et que tu dois écrire en t'oubliant un peu. Prends tes distances. Tu me racontes quoi, là, cœur de cible, machin? Je vois pas ce qui te dérange, hein? C'est vachement bien, j'ai pas dit le contraire. Mais au-delà de tes propres mots, tu dois lui inventer les siens, Diomède. Des mots un peu moins définitifs, un peu moins anxiogènes. Mais par contre, plus... Plus quoi? Plus guimauve, c'est ça? C'est juste un pli à prendre, je t'assure. Je sais pas, dis-toi que Diomède est un personnage et que tu dois écrire pour ce personnage. Diomède, il fait pas de politique. Il est pas en colère. Dis-toi que c'est un mec qui vient de la rue, mais qui parle à tout le monde. Et qu'on a envie de raconter. Quelque chose de plus fédérateur. Fédérateur, fédérons alors. Au fait, votre partie de l'avance, comptez me la donner un jour? Quand j'aurai les textes, Najma. Attends, c'est une commande, faut pas l'oublier. Allez, motive-toi. T'as déjà fait du bon boulot, là. Ouais, en attendant, je bouffe quoi? Des cailloux? Najma, tu faisais quoi là? C'est le mec de l'autre jour, tu le vois en traite maintenant? Vas-y, me fous pas, toi, t'es qui? Toi, t'es mon père. C'est qui, je te demande? C'est qui? C'est le mec de la maison de disque? Hein? La vie de ma mère, enlève ton bras! C'est le mec de la maison de disque! Enlève ton bras, je te dis! C'est quoi le truc qui te grimpe, c'est ça? Hein? Parle bien de ta bouche, toi, chien de poubelle, va! Vas-y, sale pute, va! Tu sais quoi, vas-y, donne ta chatte, vas-y! Ça va aller pour toi, pense à ta carrière! Alors, il faut protéger les créations de l'esprit dès lors qu'elles deviennent des biens de valeur économique. On divise en deux branches la propriété intellectuelle. D'abord, eh bien, il y a les créations par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Putain! Mademoiselle, vous avez un commentaire à faire? Non, monsieur, je me disais juste que c'est un cours qui va me marquer longtemps. Les droits, annexe, et ce chapitre-là, je ne saurais trop vous conseiller, eh bien de le savoir par cœur. C'est dead. Thank you.
c'est moi. Bon, écoute, je crois que franchement, on peut pas en rester là. Je sais pas ce que toi tu penses, mais j'aimerais bien te voir. En tout cas, voilà, si tu veux me parler, n'hésite pas à m'appeler, je suis là et tu peux passer aussi. Voilà. À plus tard. Ciao. Moi, donc voilà, j'ai repris contact avec lui. J'ai signé, j'ai pris un premier chèque. Puis voilà quoi, tout est passé dans les dettes de la daronne de toute façon. Moi, j'ai pas plus de thunes qu'avant. T'aurais fait autrement, toi? Bah ouais, j'aurais fait autrement. Bah ouais, j'aurais fait autrement. T'es le gardien du temple, toi, t'es mieux que tout le monde. Ouais, mais franchement, Najma, ce qu'on fait, ça vient de nous, ça vient du bide. Je dis pas que c'est mieux ou quoi, mais ça nous ressemble. Après la variette, là. Mais vas-y, hein. Vas-y, arrête le peura, deviens parolier pour des crétins, là. Je sais, t'as des problèmes d'argent et tout, mais tu vas y perdre au final. Bon, alors, les lyrics que t'as écrits pour Diodème, là. Bien ou quoi? La merde. Que de la merde. Sérieux? Ouais. J'ai refilé des vieilleries. Tu sais, le carnet où tu disais que c'était moyen. Oh là 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 là. Vas-y, Dan. Vas-y, un exemple. Ah, laisse tomber. Allez, c'est bon, on est entre nous, là. Balance le dossier. Un truc du genre... Je ne généralise pas, contrairement à ceux qui semblent oublier qu'il a aussi un cœur qui bat sous un uniforme bleu. Oh là là. Putain. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, là? Ah bah ouais, c'est Pat. Il veut des choses fédératrices. Pat le beau gosse? Arrête. Quoi, il te plaît, non? Lui? Plus de cire sur ses cheveux que sur le buffet de marron. Dans le fichier avec l'email, il y a ce petit message. Maintenant que nous avons votre attention. De toute façon, maintenant, c'est pas la peine. On peut pas revenir en arrière. Je mets dans le studio, il a enregistré des textes, qu'il a trouvé très bien d'ailleurs. Le single est en fabrication. Voilà. Tout va bien, Najma. Eh, pas de soucis. Eh? Putain, fils de pute, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors? On en est où, toi et moi? Ouais, bonjour d'abord. Ouais, déjà, range ta main. Y a pas de bonjour. T'as réfléchi, là, au deal que je t'ai proposé? Il me semble que c'est à vous de me dire ce que vous voulez, non? Vous? Écoute, maintenant, tu vas faire exactement ce que je te dis, d'accord? Sinon, moi, je vous crame sur Internet. Moi, je discute en toute cordialité, sinon rien. Eh ben, tu sais quoi, en toute cordialité, là. Je suis en train de te faire une proposition sur laquelle t'as pas d'alternative. Ça va? C'est pas trop menaçant pour toi? Ce que je veux, moi, c'est 70% des droits sur mon album, d'accord? Je veux une mise en bac nationale, avec les magasins spécialisés, Fnac, Virgin, tout le bordel. C'est ça où tout le monde sait que ton slammer, il écrit pas ses textes. T'as 10 jours pour me faire une propale. Si c'est pas fait dans 10 jours, si c'est pas fait dans 10 jours, écoute-moi. Je te tords. Toi, ton label, ton petit slammer de merde. C'est bon? Ouais, je vais voir ce que je peux faire dans ce sens. Vas-y, vois. Vas-y, bah, vois. Mais vois vite. Je vais faire mon mieux. Ça va. Et je passe un message à Najma pour vous. Vas-y, dégage. Dégage. Bouge. Plus de cire sur ses cheveux que sur le buffet de marron. Ok, bah écoute, on te signe et puis tu me les mets au placard aussi sec. Ah, je veux plus en entendre parler. Puis ta beurette, la prochaine fois, c'est moi qui m'en occupe. Tu te poses là, tu fais attention à tes doigts, tu appuies sur le bouton et tu fais partir. Vas-y, je te laisse faire. C'est tout. C'est tout.
Prends la guinade. Ça monte. Je me suis fait conseiller, c'est tout. Puis j'ai investi. Tout ce que j'avais à Saint-Martin. Plus un cousin lointain qui a une caravane au Luxembourg. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non, tu vois, je découvre. On a tout lessivé pendant que t'étais en vacances. C'est le cabinet de coterie qui a fait les placements. J'ai même un numéro d'entrepreneur maintenant. J'ai tout. Employé, fiche de paye, les clauses URSSAF. Bon, à la fin du mois, il me casse les reins, c'est bâtard. Mais au moins, je marche dans les clous. Je suis tout neuf, je te dis. Si je pouvais, eh ben j'irais même voter. Terminé le sale maintenant. Cette tôle, c'est la famille. Tiens, je vais me goûter le plat du jour. Francis! Raja! Quoi? C'est quoi le plat du jour? Rôti de canard aux figues. Putain. Rôti de canard aux figues. Vas-y, envoie deux. Merci. Tiens, vas-y, sens-moi ça. Faire ça. Tiens, tu vas te régaler. Je t'ai pas oublié, frangin. J'ai ta fraîche de côté. Pile pas. Tu m'oublies, moi. Qu'est-ce que tu racontes, hein? T'as mangé ta peine sans donner un blaze. C'est un dû, point barre. Ariski, sérieux, tu les as vus comme moi au Newf, là? Trois quarts de baltringue, là. Tous ces mômes, là. Pour un bout de chichon, ils balancent toute leur cité en gardable. Toi, t'as une famille, t'as tout pris sur tes épaules. Sur les yeux de ma mère, c'est ton oseille, frangin. Arrête de fanfaronner un peu, Paco. Si tu devais me casquer, tout ce qui serait ici sera à moi. Alors ton petit pourliche, là, bah tu te le gardes. Bah vas-y, la guinave. Goûte au moins les figues. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'autre jour, elle s'est cassée la gueule et depuis, ben, elle va pas, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu prendre ses médocs toute seule et puis elle est tombée. Et pourquoi s'est levée? Parce que je l'avais oublié, ça te va? Irène, c'est Mathilde, vous m'entendez? Irène? Oui, oui. Où est-ce que vous avez mal? Ben, j'ai mal au cul, je suis tombée sur le cul, comme une crêpe. J'ai eu peur, surtout, hein. Et j'ai appelé, et j'ai appelé. Et Firmin, il est pas venu. C'est Nejma qui est venu. Et là, ça vous fait mal quand j'appuie là? Un petit peu, oui. Vous l'amenez à l'hosto? Vous allez vous reposer, je vais rester là, je vais m'occuper de tout, d'accord? Non, c'est bon. Au travail, je m'en occupe. Non, je préfère appeler quelqu'un d'autre. Maman, c'est bon, je te dis, je vais bien m'en occuper. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Qui se cherche une cause à laquelle nous serions tous contraints d'adhérer avant toute chose. C'est toujours les autres, c'est un fait reconnu. Je sens bien quand même. Faute, si à 10 ans tu traînes, ah, il y a une tête en mousse, mais je sens bien. Si à 25 ans la route te creuse ta propre tombe, vois-tu ou ne vois-tu pas pourquoi les gens comme toi qui tiennent les murs ou brûlent les voitures en bande n'auront jamais la vie aussi dure qui ne nous la rendent. Merci. Eh bien, merci de nous rejoindre, Diomède.
pour ce débat intitulé « Banlieue, à quand la trêve ?» Avec nous ce soir, j'ai envie de commencer avec vous, Fatia Maïmouna. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de la dératisation et ancienne présidente de l'association Coupons-leur, la barbe et les couilles. Alors, une question toute simple. Y a-t-il encore des raisons d'espérer ? Bonsoir. Alors, tout d'abord, moi, je dirais que face à la situation dans les quartiers, les Français sont inquiets. Et ils ont toutes les bonnes raisons d'être inquiets. Ça, c'est un premier élément. Et face à cette inquiétude, et comme nous l'a courageusement rappelé le président, nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent. Il faut nettoyer à la Javel tous ces trois rats-là. Et ça, c'est un deuxième élément. Oui, carrément. Et j'en finirai par là pour répondre directement à votre question. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. Quand je vois des jeunes comme Quand je vois des jeunes comme Diomède, qui positive, qui chante l'espoir et pas la haine des flics. Alors oui, Guy Serge, Thierryon, Guiton, j'imagine que vous avez envie de réagir. Hein. Je rappelle votre dernier ouvrage, plaidoyer pour du vivre ensemble à l'aube d'un troisième millénaire, délesté de ses communautarismes suicidaires. Absolument, je crois qu'il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas laisser dire. C'est ma conviction. Et je sais qu'elle est partagée largement chez celles et ceux qui nous regardent. Diomède, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Thierryon Guiton ? Quel est votre sentiment à vous ? Hein, parce qu'on sent bien que vos textes n'ont rien à voir avec ce qu'on entend habituellement dans toutes les musiques urbaines. Et pour reprendre un jeune humoriste, issu de la diversité d'ailleurs. La différence entre le rap et le slam, c'est que le second est allé à l'école. À l'école de la République, par-dessus tout. Car, vous savez, à travers mon slam, à travers cette magnifique opportunité d'enchanter les mots sur les mots M-A-U-X, ce que je voudrais dire à mes frères des quartiers, c'est ne vous laissez pas aveugler par la haine. Chérissez cette chance, car il relève de la chance que de vivre ensemble, et surtout de vivre en France. Ne vous laissez pas aveugler par les beaux parleurs, les faux prophètes. N'écoutez pas ces gros bras torse bombés qui trimballent leur condamnation ou leur bracelets électroniques comme des médailles. Car en vérité, il y aurait de quoi avoir honte. Non, tu veux pas changer. Voilà ce que je pense. S'il te plaît. Intéressant. On arrive. Bac. Oui. Excuse-moi, je suis en retard. Pas de galère, t'inquiète. Ça va? Ouais, tranquille. Hein. Alors? Alors, ça a vendu un peu ou quoi? Je monte bien. Sérieux? Voilà, il reste plus rien, je te dis. Vas-y, viens. Voilà, moi mes 10, ça fait 1000 euros, tu vois quoi? Merci. Et je peux m'en mettre genre 200 tranquille, tu vois quoi? Pas de soucis. Mais non, mais tu sais, on a signé en distrib, ça veut dire on peut plus gérer les stocks comme avant, tu vois? Ah ouais, bien, Psartec. Et c'est une distrib ou une distribution Tarsa? Non, c'est une distrib, c'est professionnel, quoi. Ah ouais? Et y a plus moyen de barre d'escade ou ah, quoi, ok? C'est fini, ça, c'est terminé, tu sais, ils ont des yeux partout, tu vois, c'est des gros malins. On a fait des contrats et tout, tu vois? On s'en bat les couilles des contrats. Viens, on fait une pochette balourd, on les bicrave normal. Ça passe tout seul, je te dis la vérité. Tu veux dire un album parallèle? Bah ouais, comme ça tu les baisses sur toute la ligne, mon vieux, normal. Non, mais c'est chaud là, je peux pas. Laisse tomber, mon gars, ma parole, tu me plantes là. Ça veut dire. Tu me sers à rien, je te dis la vérité. Fais ta vie, mon vieux, c'est mieux. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais vous demander de remplir le registre, s'il vous plaît. Merci. Votre nom ici. L'heure d'arrivée. Votre signature. Merci. J'en prie. Guitare, sérieux? Ouais. Écoute, je... C'est bon, ça fait 20 minutes, là. Oh. Hey, bonjour. On dirait que c'est pas ton fort, la politesse, hein? Hein? Je me trompe?
Alors l'album, tu comptes me le sortir un jour ou quoi? Écoute, d'abord, tu dois comprendre qu'ici, on bosse pas dans la précipitation. Chez Remake, on travaille en pro. Sinon, l'album est bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Les textes sont bien. Mais, je sais pas, il reste des choses un peu bancales, tu vois, notamment au niveau du mix. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles de mix, toi? Tu connais quoi un peu rare, sérieux? Hein? Maintenant, l'album, tu vas me le sortir maintenant. Pas dans 3 ans. T'as cru quoi? T'as cru que c'était les vacances, là? Je t'invite à relire le contrat de distribution que tu as signé. D'accord? Au calme. En fait, c'est qu'on veut sortir un album parfait. On veut que le disque soit bien. Et pour l'instant, il y a encore du travail. C'est pas, propose-nous un nouveau mix. Je sais pas, avec des basses plus rondes, quelque chose de plus soutenu. Tu vois? Et pour l'instant, c'est pas encore ça. D'accord? Mais il faut pas lâcher, il faut que tu bosses encore, quoi. Faut continuer. Écoute, c'est quoi? Je t'appelle très vite pour qu'on refasse un point, d'accord? Hein? T'as rien compris, toi. Hein? C'est moi qui vais t'appeler. Demain, je t'appelle. C'est bien ici, Zania Areski. Ouais, mais j'ai pas commandé de pizza. De toute façon, on a dû vous livrer ça. C'est déjà payé de la part de Paco. Je connais pas. C'est ouais. Une erreur. On m'a dit de déposer ça chez vous. Je t'ai dit que c'est une erreur. Allez, casse-toi. Quoi, là? Les gars, ils blaguent pas. J'ai regardé, c'est pas une bombe. C'est vraiment des pizzas. S'il vous plaît, acceptez. Ils ont dit qu'ils allaient me couper un doigt si je les... Je me réjouis de tout ça. Il sort dans 3 mois, Nejma. T'as fait du bon boulot. Si tu le dis. Non, mais sincèrement, pour une première expérience, c'est réussi. Tu sais écrire pour d'autres. Pas sûr qu'on m'y reprenne, en tout cas. Bon, puis la suite. Le disque. Mon disque. Ah ouais, mais... D'abord, faut attendre le résultat du Diomède. Tu comprends, pour que je puisse convaincre mon boss de retravailler avec toi. Et puis en même temps, il y a eu le petit souci avec ton pote, là. Ah, mais moi, c'est réglé, hein. Il va se faire foutre, lui. Ouais, je sais. Mais en même temps, j'ai dû signer son disque. Enfin, votre disque. Tu vois, là, je vais pas pouvoir m'engager sur d'autres projets avant un moment, quand même. Répète, là. Il t'a rien dit. Il voulait une distrib, donc obligé, voilà. C'est une blague, sérieux. T'as fait signer mon disque à Romuald. Je voulais pas t'inquiéter, Nejma. Et puis, on avait du travail. C'est mon disque. C'est mon album. Il n'a même pas fait relire le contrat, cet imbécile.
sortira jamais, ce disque. Rien nous y oblige. Le temps qu'il s'en rend compte, on aura passé le gros de la promo du Diomède, voilà. C'est tout. Donc, quand l'album, poubelle. Je fais quoi, moi, là, en attendant? Je m'assois dessus comme une grosse conne, c'est ça? Sois pas négatif comme ça. Je sais pas, continue de bosser, ramène-moi de la matière. Puis de mon côté, je vais tout faire pour qu'on le garde avec nous sur les prochains Diomèdes. Et puis d'ailleurs, il serait peut-être temps que tu le rencontres, non? Bon, Nejma, je dois y aller, j'ai une revue. Là. Je lui ai transmis le message. Non. Non, mais je sais que c'est important, mais... Oui. Non, mais je ne peux rien faire pour vous, là. Il y a besoin de 5000 euros, t'étais pas là. T'as trouvé le blé où? 5000 euros? T'as pas arrêté de me dire que t'étais une main devant, une main derrière. C'est ta fille. Ma fille? D'où elle le sort, le blé, Nejma? Oh, tu te rends compte de ce que tu me racontes, là? Mais toi, tu sors d'où? De la lune ou quoi? Tu te rends compte ce que c'est, 6 ans de parloir? Tu te rends compte ce que c'est de faire 6 ans d'éveil de nuit pour t'envoyer de la moitié de mon salaire pour que tu puisses bouffer, m'occuper de la petite toute seule? Toi, tu te rends compte ce que c'est d'être ta femme? Vas-y, affale-toi, c'est quoi être ma femme? C'est d'être la femme d'un mec qui m'a menti depuis 10 ans, qui sait rien foutre d'honnête de ses 10 doigts. Alors si t'as une idée pour trouver le reste, il reste encore 5000 euros à donner. T'as qu'à me le dire parce que moi je sais plus, alors tu fermes ta gueule, tu me laisses tranquille. Si j'avais eu le choix de pousser sur un transat à Saint-Trope, l'esprit en paix et les mains propres, m'en voulez pas si vous êtes mes potes, ou peut-être que je tripe un pack de bière plus tard avec des pauvres types. C'est comme ça les 3/4 du temps, dis-moi que je manque de second degré. J'adore cette sale musique d'illettrée. Bonne à vomir devant la porte d'entrée de mes censeurs, et puis c'est dans leur ascenseur. Unique en soi comme mon train de vie, y a pas que des faits divers tragiques en classe économique. Avec des flics du coup, encore plus alcooliques que nous. En écoute ou sur écoute, vous savez où me trouver. Vers les puces de Saint-Ouen, auprès de l'arrêt de bus du 80. Malgré un bac plus, c'est pas un poil dans la main que j'ai, mais un cactus. Que Dieu me pardonne, si j'ai niqué toutes les ambitions de la daronne comme une vraie petite conne. Je te donne juste les faits et te laisse imaginer la suite si la sauce prend un jour. Début du compte à rebours. Début du compte à rebours. Nejma, t'as pas eu mes textos ou quoi? Si, si. Tu m'as zappé, c'est ça? Non, non. Tu veux quoi? Vas-y, viens, monte. Non, j'ai pas le temps, j'ai un truc. Allez, monte. C'est pas prié, quoi. Allez. Ça va?
prie, assieds-toi, Nejma. J'accompagne. Oh, pardon, je me suis pas présenté. Thierry de Méran. Ah, d'accord. T'as bien 5 minutes. Allez, assieds-toi. Tu permets, Pat? Tu veux boire quelque chose? Tu veux bien ramener quelque chose à boire à la demoiselle? Alors, comme ça, c'est toi qui écris de la merde pour Diomède. Joli travail, hein, l'album de Diomède. C'est Pat aussi que je dois remercier. Je dois aussi le féliciter parce que, quelle trouvaille, et ma voix, le résultat se passe de commentaires. Hein. Sinon, plutôt contente de toi jusque-là, de la relation professionnelle avec mes collaborateurs. Merci. Oui, oui, enfin, très bien. Mais très bien, parfait. Parce qu'on va encore avoir besoin de toi. Mais on va pas sortir l'album de Diomède. Non? Non, bah non, figure-toi qu'il est déjà sur Internet. Sur des dizaines de plateformes à téléchargement illégal. Pff, Internet, quel play, hein. Mais j'ai ma petite idée pour sortir de cette situation par le haut. Et en quoi ça me concerne? Ben, c'est là qu'on a besoin de toi. C'est-à-dire? Bah, tu vas nous écrire un autre album. Quoi? Bah oui. Puis il faudrait que tu t'y mettes vite, parce qu'on n'a pas trop de temps, et bien évidemment, tu vas le faire gratuitement cette fois. Ouais, bien sûr, hein, gratuitement. Pfiou. Quoi encore, hein? Attends. Je devrais fermer ma gueule en plus, ça va pas. Ouais, ouais, je fais quoi, là? T'es la cité, ouais, t'attends. Non, je m'arrache. Tu restes là, je te dis, attends, écoute-moi. Regarde. Tu vois là? Tu sais ce que c'est ça? C'est le registre des entrées et des sorties d'hier. Et là, si tu regardes bien, c'est ta signature. Ouais. Et donc? Il y a un master de Diomède qui disparaît du bureau de Pat juste avant de se retrouver sur Internet. T'es curieux, non? Ça, c'est vos affaires, hein. J'y peux rien, moi. Pat t'a ramené à la réception à 11h20. D'après la signature, là, t'es sorti à 11h37. Alors, tu peux me dire qu'est-ce que t'as foutu dans mes bureaux pendant 17 minutes? J'étais aux toilettes. Ah. 17 minutes dans les chiottes du rez-de-chaussée, par exemple? Bah ouais, ouais, ouais. Et tu peux me les décrire, ces chiottes du rez-de-chaussée? Oh, c'est des chiottes. Je photographie pas la cuvette à chaque fois que je vais pisser, j'en sais rien. Mmh. Ah, mais t'en sais rien. Tu sais pourquoi t'en sais rien? Je vais te le dire. Parce qu'il n'y a pas de chiottes au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de chiottes au rez-de-chaussée. Donc on va sortir des chiottes et se diriger vers le tribunal si tu continues à me prendre pour un con. Ça, tu permets, Pat? S'il te plaît. Que tu pouvais jouer comme ça avec mon oseille. Tu sais quoi? Je vais te briser les os. Je vais te péter les genoux. Tu crois qu'on rigole ici? C'est pas la Tessie si c'est pire. Espèce de... Voilà, c'est mieux. Tu vois? Alors maintenant, tu vas sortir d'ici, et puis tu vas te mettre au travail. C'est quand même la moindre des choses, non? Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Alors, tâche d'être disponible. D'accord? Allez, vas-y, dégage. Ah, joli travail, Pat. Joli travail. T'es déjà monté en bateau? Oh, mais on va aller faire un tour tout à l'heure. Mais faut pas avoir le mal de mer, parce que le mal de mer... Oh là là! Une fois, ça m'a pris au ventre. Et heureusement, Firmin, il avait dégagé. Parce qu'autrement, j'aurais tout rendu. Et après, je suis toute barbouillée pendant une semaine. Et j'aime pas ça. Mais t'inquiète pas, si tu te sens pas bien, il m'en reste dégagé. Il faut que je les trouve avant que Firmin il arrive. Mais où est-ce que je les ai mis déjà, ces cachets? Ah, oh, c'est pas vrai. C'est quand même un monde. Non, non, il est pas cassé, tourné, mon grand. C'est du cartilage, ça casse pas. Ah, bah oui, mais. Oui, mais c'est ça le karaté, mon grand, hein. C'est. Non, tu n'arrêtes pas. Tu es à quel hôpital, là? Je vais venir te chercher. Bon, qu'est-ce qu'il fout, gros cul, là?
Ah oui, mais ça, c'est à l'autre bout de Paris, ça, je peux pas. Bah, écoute, appelle maman, elle va venir. Et c'est pour ça que je t'ai payé un portable, c'est pour que... Ou tu appelles ta mère. Mmh. Allez, je te laisse. Putain, l'ascenseur, toujours en panne. Sport, sport, je te l'ai déjà dit. Figure-toi que je rentre d'un week-end à Prague. Là. Et il a fallu pour ça que je traverse tout le continent africain avec mes gosses. Ouais. Parce que le RERB, là, quand tu rentres de Roissy, Gare du Nord, c'est la Papouasie. Hein. Alors dis-moi, t'as quoi? T'as le diomètre qui traîne sur le net, c'est ça? Je sais, c'est moi qui l'ai mis. On sort pas un, mais deux diomètres. On met le premier en téléchargement gratuit et on monte la sauce pour vendre le second. On fout le paquet en marketing pour exploser la sortie. Mes annonceurs sur le web sont en patate. Tu suis? C'est débile, ça. Moi, je gagne quoi là-dedans? Je double ton pourboire. Et mon budget pub. On parle d'une échelle de 50K, je te file 3 points de prod sur le second album. Par contre, t'arroses. Dans un mois, y a que Diomède sur ta radio, matin, midi et soir. Playlist semaine, émission spé, exclu sur 2 mois, la totale. C'est une idée géniale. En plus, j'adore cet artiste. Engagé, pas con, beau gosse. Ah, vraiment, c'est une bonne idée. On va le réveiller, ce vieux pays de rentier. Ce vieux pays de rentier, comme c'est tu clair. Dis. Tu parles sérieux? Tu connais pas Mehmet Ermanoğlu? Non, je connais pas. C'est le plus grand producteur de rap turc du monde, ma sœur. C'est mon cousin. Il a produit DJ Tarkan, MC Shukur, Bazooka Muslim. Bomba Ayouk Moumine. Tu connais Bomba Ayouk Moumine? Non plus. Parle sérieux. T'as jamais entendu le son Chalkoum tel que Demi Chouju Clara? Non. Tu fais du rap ou là? Tu parles sérieux. Je te mets de la maillot. Pas trop. Pas trop. Tu parles sérieux. Il faut revoir tes classiques. Hein. Hey, si tu veux, je te le présente. Hein. Bah ouais, peut-être. Quelle tête, je vais te le présenter. Ça marche. Salut. Je vais mettre un garlic frites sauce blanche harissa, s'il te plaît. Mayonnaise sur les frites. Je l'ai fait. Mehmet Ermanoğlu, tu connais? Tout rangé. Coup dur en 8 lettres. C'est où? Ah, avec un H. Hématome. En matière de plagiat littéraire, eh bien, on s'aperçoit qu'on se protège très facilement simplement avec des guillemets. 50 pages de citations, et vous êtes inattaquable. Alors, bien entendu, si vous recopiez 50 pages de prose, vous passez pour des cons. Et là, je vous rassure tout de suite, la connerie est inattaquable. Tu fais quoi après, on se voit? De même, en matière de détournement artistique à des fins parodiques ou ironiques, eh bien, juridiquement, il n'y a pas de plagiat. Lorsque les dadaïstes rajoute une moustache à la Joconde, eh bien, ils détournent l'œuvre, bien entendu, mais en même temps, ils l'inscrivent dans l'histoire de l'art. Alors,
détournement littéraire versus plagiat. 5 points importants. Ben, assieds-toi. Je préfère rester debout. Autrement, t'en es où? Ben non, j'ai rien. J'y arrive pas. J'y peux rien, c'est comme ça. Ben t'y arrives pas, mais je comprends. Le deuxième album, c'est toujours plus difficile à écrire, oui. Non, je n'y arrive pas, c'est tout. J'ai pas d'inspiration. Ben oui, mais c'est normal. Même les Beatles ont ramé sur le deuxième album. Ben bien sûr, oui. Je suis pas les Beatles, moi. J'y arrive pas, je peux pas être plus franche avec vous, je n'y arrive pas. Mais t'as une dette, tu sais ça. Et tu vas la régler. Sinon, tu penses bien qu'il y a longtemps que je t'aurais déjà renvoyé à tes révoltes de Préado. Et il faut pas croire, j'ai écouté tes trucs. J'ai écouté. Enfin, du moins, j'ai essayé. Hein, parce qu'on comprend un mot sur deux, c'est bruyant pour rien, agressif. Au moins, Diomède, lui, il articule. Hein. Bon, écoute, il est midi. J'ai un dîner chez moi ce soir à 21h, je veux un texte pour l'apéro. Donc ça te laisse 9 heures devant toi. Ça devrait aller pour quelqu'un comme toi, non? Allez, vas-y, dégage. Ma secrétaire te donnera l'adresse. Ouais. Oui, mon grand. Oui, non, mais tu... Oui. Non, écoute, là, tu sais, là, il faut que tu arrêtes de m'appeler, là, comme ça, là. Je travaille, là. Ouais. Bon, bah écoute, oui, à plus tard. Elsonia, Areski, c'est ça? Ouais. Bientôt sera du passé, tout ça, faut tenir encore un peu. Hein. Pas comme Paco. Ah ouais, votre ami Paco, le restaurateur. Bah, il est tombé hier, la financière. Je peux vous dire qu'ils sont pas allés le chercher sans biscuit, elle est pas prête de rouvrir sa cantine. Dommage pour le canard aux figues. Il était bon, non? Je suis Véronique, la femme de Thierry. Enfin, la dernière femme de Thierry. Enfin bon, c'est compliqué. Entrez. Venez. Le dîner a finalement été annulé. Enfin, pas annulé, reporté. Ou plutôt déporté, je veux dire ailleurs. Bref, Thierry est au restaurant, il m'a demandé de vous y accompagner. Vous voulez boire quelque chose avant? Champagne, vodka, gin, martini? Bon, allez, la même chose que moi. Thierry, il veut absolument que vous lui remettiez quelque chose en main propre. Ça m'a l'air important, je sais pas ce que c'est, enfin bon. Des textes. Ah, vous écrivez. C'est génial. Enfin, j'espère. Faut pas qu'on y aille, là. Ouais. Et enfin, c'est un restaurant un peu guindé, poète-poète, machin, vous voyez le genre. Non, mais ça va, je reste pas. De toute façon, je pose les textes et je m'en vais. Ah, mais non, pourquoi? Ça lui fera plaisir à Thierry de vous présenter à ses invités. Allez, venez. Venez, je vais vous prêter une robe. Vous venez? Vous êtes ghostwriter, c'est ça? Nègre, en fait. Moi aussi, je suis nègre. Pour les livres. Sportifs, chanteurs, ils veulent tous écrire leur bio, mais ils savent pas tenir un stylo. Quelle femme vous êtes? Quoi? Pour la robe. Genre? Ben, j'en sais rien. Pour les soirées où je vais en général, je mets pas de robe. Et vous écrivez pour vous aussi? Ouais. Comme moi, vous êtes à la fois l'ombre et la lumière. Celle-là, elle est parfaite. Vous pouvez la passer, Najma? Tenez. Votre
On a les chaussures. 38. Ça, c'est les textes pour demain, enfin, votre mari. Prends soin de toi, Najma. Je crois qu'il y a pas mal de bluff là-dedans. Et qui s'occupe de la cantine de Paco? Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai vu personne passer. En tous les cas, de mon côté, je peux rien faire. Je ne suis même pas sûr de me faire payer mes honoraires. C'est un ami à vous, sinon? C'est plus qu'un ami, monsieur El Sanier. C'est un client. Une défense sans honoraires, c'est une défense. Sans honoraires. Quant à cantiner, faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce que tu fais avec ta musique là? Y'a mon femme qui voudrait dormir. Mais tiens, j'en ai à foutre de ta femme. Vas-y, ferme ta fenêtre, toi. Dis-moi! Baisse le son. Baisse le son. Mais putain, mais baisse le son. Putain, mais tu pues la tise en plus. Bon, qu'est-ce que tu veux? Franchement, j'ai merdé. J'ai merdé. Je suis désolé. Mais tu l'as caché où, cette fois, la caméra? Najma, j'ai besoin de toi, là. Quoi, tu veux que je t'écrive un autre disque pour aller le vendre dans mon dos? Vas-y. Vas-y, mets-moi une tarte. Je le mérite, je le sais. Je t'ai dit, j'ai besoin de toi, Najma, là. Ouais, mais non. C'est mort. J'arrête, moi. Le peur, la zik, tout ça, c'est mort. J'arrête. Je te parle pas de la musique, là. Ça te va bien, franchement. T'es jolie comme ça. Hein. Tu sors d'où, là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai pas le droit de te faire un compliment. On dirait une dame. Une dame. Vas-y, arrête. De toute façon, c'est pas ton truc, les compliments. C'est bon, j'ai pas dit vieille dame, là. Il doit être content, ton mec. J'ai pas de mec. C'est ça, ouais. Et moi, je suis un gros narvalo. T'es venu pour quoi, au juste? Je suis largué, là. Il y a toi, il y a l'autre couillon. Diomède le Hamar. Vraiment, t'arrêtes la tisane, toi. Quoi, il est bien, Diomède. Ma grand-mère, elle le kiffe, hein. Bah, casse-le avec ta grand-mère, alors. Allez, faut dormir, là. Je t'ai rapporté, tu sais, le son, là, de deux saules, là, que tu m'avais demandé. Je le samplais. Ouais, ça tourne bien.
mais je te dis, j'arrête. C'est mort. Arrête, Nejma. Franchement, pas à moi, quoi. Pas à moi. T'es faite pour ça, t'es taillée pour ça. On va tout refaire à zéro, d'accord? On va refaire un nouvel album, on va partir sur des bonnes bases. On va tout niquer, Nejma. Toi et moi, tu vois? Toi et moi. Non, écoute, je vais te dire un truc tout simple, tout con. Je me vois pas rapper avec un mec que je me tape. Ça doit dit comme ça. Bon, et vas-y, je te bip demain, ok? Demain? Demain. Bon, là, j'ai juste la tête qui va exploser, quoi. Vraiment? Tu fous quoi? Je vais rester ici, hein. Mais rentre chez toi. J'ai envie d'être près de toi, moi. Quoi, c'est interdit? Putain de blouson de merde. Allez. Elle est de nuit, maman? Ouais. C'est des... T'as pas justifié, pas. Ça pue le chacal ici. Vas-y, calme-toi là-haut. Non, pas de calme-toi, pousse-toi, je conduis. J'ai trouvé. Hein? Comment on va se les faire? Allez, pousse-toi, je conduis. T'as pas trouvé un petit café aussi, non? Allez, ça sert à rien. Va chez toi boire le café. Il y en a cinq comme ça. Je le veux dehors, maître. Je vais inviter mon meilleur pénaliste fiscaliste à aller déguster chez moi dès ce soir, tiens. Et moi, je veux boire le café avec Paco. Dans 15 jours. Ici, juste à votre place. Tu sers autre chose? Un grand verre d'eau de sel, s'il te plaît, Francis. Merci, Francis. Qui a gagné, on avait? C'est pas croyable. La chance, c'est le destin, hein. Tu sais quoi, dès qu'on me retire la bague, là? Tu m'en offres une. Ah ouais, mais avant, on s'arrache en vacances. Bon alors, t'en dis quoi? Franchement, c'est mortel. Mais bon, moi, à part en parler à bague, je vois pas ce que je peux faire concrètement. Le mieux, ce serait d'aller voir le toilette de Jerry Mike, là. Tu lui demandes de nous laisser un peu de temps. Mmh. Je peux pas retourner voir Demeron. Et l'autre, la patte. Alors, soudainement, t'aurais besoin d'un délai supplémentaire pour soigner les textes de Diomède, c'est ça? Non, mais attends, je me prends pas pour un con. Et tu mens, là. Alors, soit tu me dis ce que tu fais, soit la discussion est close et tu sors mon bureau tout de suite.
je te propose de t'associer. Fais-moi confiance. Tu risques rien. Il me faut 10 jours. Alors, mon patou, le dossier Diomède, on commence par quoi? Faut que je te laisse, hein, je suis à l'antenne. Bisous, ciao. L'invité musique, Diomède. Ouais. Il vient d'arriver, mais il n'était pas en répétition. Et alors ? Son manager demande à ce qu'on passe un vidéoclip à la place du live. Mais j'en ai rien à foutre, moi, il a qu'à faire un playback. On m'avait proposé, mais il refuse. Il est mis sur ses musiciens, le mec. Tiens, mais c'est qui ce petit con, là ? On a qui d'autre à la place ? Ah bah personne, hein, c'est trop tard. Par contre, j'ai reçu ça tout à l'heure. C'est quoi ? On me regarde. Buzz-moi pas, bonsoir. Notre invité musique est aujourd'hui un slammer, poète, comédien, monsieur Diomède. Diomède, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, vous qui incarnez la génération émergente du slam. Vous êtes ici pour la sortie de votre nouvel album. Et pour en parler, Diomède, je vous propose de faire quelque chose d'assez inhabituel qu'on ne fait jamais en télévision. C'est-à-dire que je vais évoquer la sortie d'un autre album. Vous allez comprendre. Ici donc, l'album de Diomède, Dans mon ombre. Et là, un second album de l'encre signé Nejma et Romuald. Voici ces deux albums que j'ai reçus en même temps. C'est intriguant, non ? Diomède, c'est intriguant ? Oui, hein ? Plutôt. Bien sûr que c'est intriguant. Plutôt. Et parce que si on confronte ces deux disques, eh bien, et si on fait un petit peu attention, on voit quoi ? On voit d'emblée que les pochettes se ressemblent un petit peu, comme si l'une était le détournement de l'autre. Ensuite, les titres Dans mon ombre, ici, de l'encre. Eh bien, ça forme un tout. Dans mon ombre, de l'encre. Et si l'on va un peu plus loin et qu'on s'intéresse au titre, un instant, vous allez voir, excusez-moi, les spectateurs ne sont pas encore au courant. Le plus troublant, c'est que lorsque l'on s'intéresse au titre des deux albums à l'intérieur, on s'aperçoit que ce n'est pas juste une coïncidence. Regardez, je prends un titre au hasard. Le deuxième, l'album de Diomède, Derrière tes yeux. L'autre album, Mémo. Derrière tes yeux, excusez-moi. Mémo. Troisième titre, vous allez voir. Il rêve debout dans l'album de Diomède et ici, quand il gît sous mes rimes. Il rêve debout quand il gît sous mes rimes. Et c'est pareil pour tous les morceaux. Mais mon préféré, c'est le dernier. Diomède, bravo. Ici, le fils. Et là, je vous le donne en mille, de pute. Le fils de pute. C'est vraiment extraordinaire. Génial, non pas un, mais deux albums qui se répondent l'un à l'autre, l'un étant en quelque sorte la face cachée de l'autre, son négatif. Alors, grâce à vous, Diomède, aujourd'hui, on peut se laisser surprendre par le talent de certains artistes. Diomède, juste avant de vous entendre, je voudrais vous présenter Sandrine, qui a concocté pour nous et pour vous un portrait super sympathique, un portrait tendre. Sandrine. Bonsoir. Diomède. Oh, j'ai bien soir, là, j'ai fait un petit cigare. Tu vas me dire pourquoi tu mérites encore de vivre ? Mais quel est le problème, on vend du disque ? C'est bien ce que tu m'as appris, non ? Ça va ? Non ? Si tu avais vu la tête du type quand Firmin lui a balancé son poing dans la gueule, oh, je te dis pas, il a baissé le museau et le petit voyou, il m'a vite rendu mon sac. Et il a filé comme un chihuahua. Je vais pas marcher un petit peu, là ? S'asseoir dans le fauteuil ?
Oh là là, mais doucement, hein. Allez, allez. Allez, allez. T'es vraiment une gentille fille, Nejma. Mais arrêtez de dire que je suis gentille. Je suis pas gentille. Puis quand même, c'est Firmin le plus gentil. Mon fils, c'est un enculé. Jamais une carte d'anniversaire. Jamais une visite. Il est dans les îles, soi-disant. Et pendant ce temps, il m'a mis sous curatelle et il me pique tout mon fric. Moi aussi, Irène, je vous pique du fric. Je sais. Mais c'est parce que t'en as besoin, toi. Et puis, tu le piques pas, puisque je dis rien. C'est comme si je te le donnais. Putain, j'ai bouffé marocain hier. J'ai presque la foutu dans l'assiette, la Fatma, mais alors... J'arrête pas de chier. Je suis que comme un chou-fleur. Vas-y, je t'écoute. Ouais, écoute. On a déjà une tournée de 50 dates de prévues. La presse nous mange dans la main. Je te dis pas le reste. J'ai deux fois le budget qu'on avait pour Diomède. Le staff de remake est en patate dessus. Donc, 7 ans de boîte, j'ai jamais vu un buzz pareil. Alors, à toi de voir. On va de surprise en surprise, décidément, non? Je sais pas, ça m'a pas l'air très au point, tout ça. Hein. Et moi, je gagne quoi, là-dedans? Encore plus fort pour encore plus de Delport! Nejma Romuald! Encore plus fort pour encore plus de Delport! Qu'on les entende brailler! Nous, c'est la vie qu'on est venu s'octroyer! Sur fond de père qui est dans un pauvre foyer, leur sale clef peut aboyer, le lion ne se retourne pas. Ici c'est le zoo sans les cages tout autour de toi. Pub dans ce pays, on sent un peu à l'étroit. Je crève le doigt, touche le ciel du bout du troisième doigt. À force de vivre dans un trou à rats, 10 dans un débarras, marre de rester en carafe devant du 24 carats. Et puis nique sa race, on leur pisse à l'arrêt. Provocatrice, agitatrice, à ce qui paraît, toujours hors quota, boycotté, persona non grata, exclu de tous les côtés. Passe-moi les menottes ou passe-moi le broly. J'suis l'ennemi public, on s'est sombré oblique. Pipi injecté de haine parce qu'il faut becter. Même si le colon doit se faire péter le zen. Encore plus fort pour encore plus de